N'oubliez pas de lâcher votre plus gros like et abonnez-vous, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, il y a mon Instagram qui s'affiche en bas à droite de l'écran. Dans mon Instagram où en fait je publie mes nouvelles vidéos et tout ça qui vont arriver. Comme ça, vous êtes les premiers à les voir. Donc là, j'ai eu deux incidents. C'est pour ça, non, généralement, je fais des check-up tous les mois. Enfin, ça, c'est. Sauf que là, en fait, j'ai acheté un avion, donc j'ai moins de sous. Donc voilà, on va ouvrir le porte-card. On a eu quelques sous. Ça se charge. Tous les jours, on a un cadeau, je crois. Mais je sais pas jusqu'à quand c'est qu'on a des cadeaux. Donc là, on a un CRJ 1000. Excuse-moi. Donc voilà, hop, donc je vais le récupérer. Je sais pas à quelle ligne encore. Je pense. Je sais pas. Là, du coup, la 350, là, en fait, j'ai reçu un A350. Voilà. Et j'ai acheté une ligne à Dubaï. Il va aller à Dubaï. Dubaï, c'est. Voilà. Je vais vous dire toutes les. Comment ça s'appelle? Toutes les lignes et avions que j'ai. Je vous montrerai après. Donc voilà, hop. Non, ça fait trop de tonnes en moins. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, excusez-moi, oh là, j'arrive pas aujourd'hui, dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo, je sais pas, de Brawl Stars, de Airline Manager, d'un autre jeu, dites-le moi dans les commentaires. Donc la prochaine ligne, je pense que ça sera à Abidjan, je sais pas, avec un Boeing 777. Donc là, voilà, je vais vous montrer ma flotte que j'ai, tous mes avions. Ça va plus vite par là, je préfère. Là, on va faire la route travel card. Hop. Oh, 2000, c'est la première fois que je gagne autant de. Fois, du coup, fois 1,5. C'est la première fois que je gagne autant de travel card. Donc on va voir ce qu'il y a un peu pour ce qu'on peut acheter avec une 31 000. Donc on a un 320 Neo, un Boeing 770, un Boeing 737-600. Après on a un 787-9. Et voilà, après on a des sous. Mais moi je préfère les garder pour les avions. La maintenance, c'est après il y a souvent aussi des comment ça s'appelle des Zymecoin, je crois. Zymecoin, c'est pour acheter des trucs et ça pour que ça va plus vite. Donc voilà, hop. Donc là je pense qu'on va faire on va acheter une recherche pour le Boeing 777. Donc on va plutôt d'abord acheter une ligne. On va acheter à Londres, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure. Extension. Alors ça bug. Voilà, extension. Là, moi c'est plus facile pour faire comme ça. Moi je préfère. Quand je sais où ça se situe, donc c'est mieux. Donc là, vous sélectionnez votre hub de départ. Donc moi c'est Amsterdam. Voilà, un peu Londres, Heathrow, pardon.
planifie avec le Serge Emile qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, ça rentre pile, tout rentre. Voilà. Donc là, je pense qu'on va acheter la recherche. Donc, voilà, notre avion se situe ici. Voilà, il est là à Londres. Voilà, donc j'hésite quand même entre le Boeing 777 ou le A321neo. Voilà, le Boeing 777. Donc il faut deux recherches pour aller au 300ER. Et après, là, il y a l'A321neo. Il y en a deux aussi, mais sauf qu'ils durent plus longtemps. Voilà, j'achète. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous. Ciao!